Les grands titres d'aujourd'hui, la sécurité et la salubrité. Voici les deux questions autour desquelles le Conseil économique, social et culturel s'est réuni hier à Bamako. Ces journalistes sont en prison depuis 2 jours. Ils sont accusés de diffusion de fausses informations. Le COB et le Djoliba AC se sont neutralisés sur un score de 0-0 dans le choc de la 2e journée du championnat national Ligue 1. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On commence avec cette information tragique. 13 morts dans des affrontements entre populations civiles dans le cercle de Massina, région de Ségou. Le gouvernement malien a très vite envoyé les forces de l'ordre pour ramener la stabilité. Une enquête sera menée par le procureur de Ségou. Les autorités politiques et administratives se rendront très prochainement dans la zone. La sécurité et la salubrité, voici les deux thèmes autour desquels le Conseil économique, social et culturel s'est réuni hier à Bamako. Khalif Cheikh Keïta. Cette 12e session de la 6e mandature du Conseil social et culturel s'est largement focalisée sur des principaux thèmes. La sécurité et la salubrité des villes et villages maliens dans leur ensemble. Donc, qu'à de Bamako pour que la capitale malienne puisse s'y retrouver son rang d'antan. Ainsi, les conseillers nationaux ont été rejoints par les acteurs concernés, le directeur général de la protection civile et le directeur du cabinet du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la réforme de l'État ont concouru à porter leur contribution à ces travaux. Plusieurs solutions ont été apportées et seront portées aux plus hautes autorités du pays. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes sont en prison depuis 2 jours. Ils sont accusés de diffusion de fausses informations. Khalif Hamed. Vamara Koulibaly, directeur de publication de l'Inter et Soir Info Indépendant, Yacouba Gbani, directeur du quotidien Temps de l'opposition, et Franck Bamba Mamadou, directeur également du quotidien Notre Voix de l'opposition, avec leur rédacteur en chef Amadou Ziao, Jean Bedel Niago et Ferdinand Bailly, sont détenus depuis dimanche dans un camp de gendarmerie à Abidjan. Le gouvernement les accuse d'avoir divulgué des fausses informations. Les presses suivantes auraient affirmé, par voie de presse, les soldats des forces spéciales qui s'étaient récemment mutinés à Diaké avaient reçu des primes. C'est de quoi se défend le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs presses et le syndicat de la presse privée de Côte d'Ivoire, le Synapsi, se sont indignés de ces arrestations. Une violence dont personne ne parle. Aujourd'hui, le Soudan du Sud est rabâché par une guerre sans fin entre le président et son vice-président. Les populations fuient en grand nombre. Ibrahim Adjaouyakoui nous en parle. Ils fuient en grand nombre et souvent sans rien emporter. Ils arrivent plus de 2000 chaque jour à l'Ouganda. Ces populations estimées à plus de 2 millions de personnes fuient les combats qui font rage dans le sud du pays et dans l'est du Nil supérieur au Soudan du Sud. Ces affrontements ont lieu entre les groupes pro-gouvernementaux et ces pro-rebelles proches du vice-président Riek Machar, l'ONI, l'Organisation des Nations Unies, veut 1,5 milliard d'euros pour répondre à cette crise qui place le Soudan du Sud 3e sur le plan mondial en ce qui concerne les pays qui enregistre le plus de réfugiés et de déplacés internes. Au moins 4 personnes sont mortes hier matin dans un secteur hors ligne de la station de neige de Tigno dans les Alpes. Khalif Hamed. Un père de famille accompagné de son fils d'environ 18 ans et du demi-frère de celui-ci âgé d'environ 15 ans. Et leur moniteur âgé de 60 ans, très connu, très bon skieur, sont morts hier matin dans une station de neige de Tignes dans les Alpes. Certaines sources parlent d'une 5e personne portée disparue. Nicolas Martranchard, le sous-préfet d'Albertville, lors d'une conférence de presse, a affirmé que personne n'est encore sous les neiges, au moins ce que lui, il détient comme information. Depuis novembre, il y a eu jusqu'alors 13 accidents d'avalanche dans les Alpes et les Pyrénées, qui ont fait au total 3 morts sur un décompte de l'Association nationale pour l'étude de la neige. La saison dernière, 45 accidents avaient fait au total 21 morts.
L'avalanche la plus meurtrière des 10 dernières années s'est produite en été 2012 dans le massif du Mont Blanc avec 9 morts et 9 blessés légers sur le Mont Maudit. Le conseiller à la sécurité de Donald Trump, Michael Flynn, a démissionné selon des sources officielles. Ibrahim Adjaouyakoui. Ancien général, Michel Flynn était au centre d'une controverse pour avoir évoqué les sanctions visant Moscou avec l'ambassadeur russe aux États-Unis alors qu'il n'avait aucune fonction officielle. Sur la même question, il a menti au vice-président des États-Unis Mike Pence et d'autres personnes. Dans sa lettre de démission, Michel Flynn a reconnu son erreur et dit avoir présenté ses excuses au président et son vice-président, ces derniers auraient accepté. Son poste est occupé par Kate Kellogg, secrétaire générale du Conseil de sécurité nationale, juste le temps que le président Donald Trump lui trouve un successeur. Selon des sources proches de la Maison-Blanche, la candidature de David Petraeus, général à la retraite et ancien directeur de la CIA, est examinée. Donald Trump a également réussi en visite hier le premier ministre canadien Justin Trudeau. Ils ont parlé des commerces, du climat en conférence de presse. Ils ont évité les mots qui fâchent. Sport, le COB et le Djoliba AC se sont neutralisés 0-0 le dimanche 12 février 2017 dans le stade Omnisport Modibo Keïta. L'unique alerte du premier mi-temps est Djolibiste à la 13e minute de jeu, bien servi par un partenaire d'une passe en profondeur. Mamadou Sow bute sur le portier olympien. À part cette action, plus aucune alerte dangereuse ne sera créée jusqu'à la fin de la première période. De retour sur la pelouse, les Rouges se montrent encore beaucoup plus menaçants, notamment sur les tentatives de Moussa Sissoko, 51e minute, Cheikh Nian, 69e minute et Drissa Ballo, 87e minute. Malgré une large domination, ils ne trouveront jamais le chemin défilé au grand bonheur des Olympiens qui doivent en grande partie ce point du nul à leur gardien et capitaine Abdoulaye Samake, dit Porato, qui a réalisé des arrêts exceptionnels au cours de la rencontre. En deux journées, les Djoliba peinent toujours à marquer. Les autres rencontres de dimanche se sont soldées par les victoires, notamment de l'ASB sur CS Dougou Wolon Fila 1-0, CSKA bâti par l'AS Bakaridjan 0-1, USB Bouguini dominé par USK Kita 0-2. Le stade malien reste leader du championnat avec 6 points, suivi par USC Kita, AS Bakaridjan, Centre Salif Keita, US Bouguini et Sony sont dans la zone de relégation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.